Je commencé na Molini em 1995, je commencé com manobre. 3 anys après, j'ai fait le premier machiniste. J'ai appris une machine d'un tonne et demi, après j'ai passé sur une 3 tonnes, après sur une 5 tonnes, et maintenant je suis sur une 20 tonnes. Presque tous les chantiers qu'on commence chez Molini, c'est moi qui dois aller faire le tracement pour pousser la grue, pour mettre la centrale à béton, et pour placer le matériel, on fait un peu de tout. C'est un rêve que j'avais de plus petit. Même quand j'arrivais en Suisse, j'allais travailler dans les champs, je travaillais toujours avec un tracteur. En plus, chez Molini, il y a de bonnes machines, elles ont beaucoup d'options. Il y a des caméras derrière, de côté. Passage et le godet, c'est tout automatique. Il y a la climatisation, il y a le confort mieux qu'une voiture. Il faut être précis parce que si on ne travaille pas bien, après le chef, il commence à gouler avec nous. Il faut toujours faire attention s'il y a quelqu'un derrière la machine ou même quand on tourne la machine avec le godet plein de terre, on peut faire un accident, vite fait. On a toujours de bonnes machines, chaque 4-5 ans le patron il change de machine. J'aime bien aussi l'ambiance qu'on a dans la boîte. C'est une entreprise familiale, si on a besoin de quelque chose, le patron est là, on connaît bien le patron, j'aime bien.